C'est mélo. Pas chez nous, pantoute. Hein? Pas chez nous, pantoute, hein? Pas du tout, hein? Je suis en train de me préparer tranquillement, là. C'est quelque chose de se réveiller pis pas être chez eux. Esti de calice. Fait que là, on va entendre la destruction, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire les rénovations dans la salle de bain en haut dans l'appartement. Après, on passe la fin de semaine à tout vider, pis tout trier, pis blablabla, ben meuble là. Pas chez nous. Au moins, ma routine est faite. Je suis en train de me sécher le cheveu. Donc, on va continuer l'activité. C'est ça. Pas évident. Je vais me faire mon toupette. Wow. Ouf, on va faire ça juste un petit peu à l'air. Un petit peu à l'air libre. C'est quelque chose, je ne comprends pas trop. Calice de crise. Calice de crise. Il n'est pas sèche, Esti. Il n'est pas sec, mon pupille. Niou. Je pense que je sais ce que j'ai fait de mal.
fuck de merde. J'ai oublié, esti. J'ai mis trop d'huile dans les cheveux, calice de crise. Pogné. Ah oui, y'a pas de... Faites-en pas. Bon, première étape de fait, hein? Pas évident de se coiffer puis de se préparer quand on n'est pas chez soi. Pas évident, hein? Fait qu'il me resterait juste à m'habiller et me lisser les cheveux. Je suis en train de perdre plein de cheveux dans la salle de bain. Wow! Tout est blanc, fait que ça paraît plus. En fait, ça va bien. Je vais me faire un petit café, mais attendre que mon fer, je vais me changer. Je me suis changé pour presque pareil. Avec une jupe. Du délégué. Hein? Se lisser un petit peu les cheveux, regarder si on avait quoi. Là-bas, je vais me servir un petit café. Se préparer tranquillement pour le rendez-vous de 11h. Ça sent bien. On va là, ouais! On va là, ouais! Quand même toute qu'une affaire, la destruction en haut. Au moins, je suis pas dans le bordel. Pauvre petite Mia qui est en haut. Elle se met partie se cacher. Oh oh. Parce qu'elle est trop stressée. Ces temps-ci, elle pleure beaucoup. Elle sait qu'il se passe quelque chose. Puis ça la stresse, pauvre petite Mia. Mm-hmm.
Quand je vais réussir à faire ma routine. C'est correct ça? Parce que oui. Pas grave, c'est pas 100% lisse là. Pas grave, tant que je me trouve cute. C'est ça qui est important. De toute façon, je l'ai mise l'attacher. Oups là, ok, je vois là. Ouais, on va falloir continuer dans l'issue encore un peu. Et l'autre petit. Titi, une coupe de couette que j'ai manqué. Parce que j'ai un peu pas mes lunettes. Quelque part chez vous, dans tes affaires. C'est un petit peu de l'improvisation. J'essaie une nouvelle méthode, mais pas capable. Je suis pas capable, j'ai de la misère. Mm-hmm.
Parce que tantôt, je m'attachais les cheveux, puis il y avait les couettes n'étaient pas droites. J'ai fait, oh voilà. Ça veut dire que ma job était mal faite. On va tout réunir. Et voilà. C'était le glow up, la routine, la mélodie. Ça va être comme ça aujourd'hui. Bon, mais pas évident. La destruction. Je me suis mis dehors de la destruction. Parce que je suis déjà en autodestruction, fait que d'avoir de la destruction en plus, ça fait pas mal de destruction. Je me suis dit, gars, Mélodie. Fais ce que t'as à faire, puis tu sors un peu de ta zone de confort, tu vas t'en sortir. Sorti ce matin. J'ai pas trop perdu de cheveux dans le bain non plus, ça va bien. Je perds de moins en moins de cheveux, ça va bien. Mes cheveux sont nourris, c'est bien. Fait que dossier à suivre. Salut. Mellow or lavato. Non, on veut pas. Regardez juste la toilette. Puis le bain. Ils ont enlevé ça aussi. Puis il y a le nouveau set qui est là. C'est vraiment, tout est démonté ici. Même mon coin beauté est démonté aussi.